Je crois que l'homme, l'être humain, l'homme est un animal social, pas sauvage. C'est-à-dire que lorsqu'une personne fait du mal à une autre personne, c'est qu'il y a toujours une très très bonne raison. Et la raison principale, c'est que nous sommes des êtres complètement paramétrés. On a tous un paradigme, une programmation. Et on a été finalement programmés à réagir de la même façon que nous avons nous-mêmes subi. Quand une personne t'insulte, c'est qu'elle a été maintes et maintes fois insultée de la même façon. Elle ne fait que reporter à une autre personne ce qu'elle a elle-même subi. Donc quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous juge, la première des choses à se dire, à imaginer, c'est que c'est pas forcément elle qui parle, mais c'est un petit robot qui lui-même a été stigmatisé avant, repoussé, jugé et finalement programmé. La plupart des êtres humains sont programmés de la mauvaise façon. Tout l'enjeu de notre vie, c'est de choisir notre leadership, de choisir nos valeurs, le sens que l'on veut mettre à notre vie et de forger sa propre personnalité et de se déprogrammer finalement de cet environnement qui n'est pas toujours très adapté. La deuxième des choses, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas ce que les autres disent. Vous n'êtes pas l'avis des autres. On n'est pas l'avis des autres. On n'est pas ce que les autres pensent de nous. La première des choses, c'est parce que personne ne sait qui vous êtes vraiment de l'intérieur. Et ensuite, de bien imaginer que ce n'est qu'un avis, ce n'est pas la vérité. Et souvent, 80% des gens s'en fichent de vous. Ils ne cherchent pas à vous donner un conseil. Tu es comme ça, ce n'est pas de la gentillesse. Ce n'est pas pour nous aider. C'est pour nous rabaisser. Parce que la plupart des gens se sentent bien quand ils font du mal aux autres. La plupart des gens arrivent à se grandir en rabaissant les autres. Ils le font pour eux, pas pour vous. Et ils n'ont en rien la vérité. Et il y a trois types de personnes finalement, trois façons de réagir. La plupart des gens, après une critique, un jugement, vont enregistrer cette programmation et reporter cette haine, cette colère ou ce mauvais réflexe à d'autres personnes. Ils vont faire d'autres victimes, et d'autres victimes, et d'autres victimes. C'est un mouvement en chaîne. En clair, la plupart des gens, faibles, vont chercher une revanche. Parce que la revanche est simple, rapide, libère tout de suite, maintenant, et enlève de la douleur. Fait du bien. Il n'y a rien de plus facile que la vendetta, la revanche. Il y a un pourcentage de gens qui vont se dire « je vais pardonner ». Et le pardon, c'est une immense arme de bonheur. Parce que vous ne pardonnez pas forcément à l'autre dans ces moments-là. Vous pardonnez à vous-même d'arrêter d'y penser. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire cautionner. Pardonner ne veut pas dire adhérer. Pardonner veut dire vous libérer vous. Et puis il y a un 3% de gens, des leaders top 3%, qui adoptent une excellente attitude. Même si le pardon est déjà un immense pas, est déjà difficile. Il y a 3% de gens, eux, qui ignorent. Les gens, les leaders top 3%, les gens très intelligents, je veux parler de l'intelligence émotionnelle, ignorent. Je ne suis pas ce que tu me dis et je ne serai jamais ce que tu me dis. Voilà comment on doit réagir face à la méchanceté gratuite de la plupart des gens que nous croisons.